Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit gameplay de game sur la résurgence planante que je kiffe à fond et je vais vous montrer en fait qu'il n'y a pas forcément besoin de jouer méta et ça fait un peu plaisir. Donc j'ai spawn, j'ai trouvé la fameuse et emblématique M4 de Call of Duty que je pense que tous ceux qui ont joué depuis des années connaissent et aiment. Elle est encore là et elle est un petit peu délaissée et en vrai elle vaut vraiment son pesant de balles si je peux me permettre. Donc voilà, n'hésitez pas franchement aussi des fois à retourner sur des armes qui sont pas méta et à jouer avec des armes que vous trouvez simplement dans le jeu. J'avoue que c'est assez cool, il devrait une fois mettre un mode sans loadout, sans largage pour un peu aller ramener un peu de la vibe et vraiment là pouvoir comparer les gens qui savent viser, réfléchir, avoir du bon game sense. Bref, c'est assez stylé, l'arme est vraiment pas mal et l'autre arme aussi, bon mais là qui est aussi un peu dans la classe méta que j'ai eu par après dans la game, c'est la Bruenne. Et vous êtes vraiment beaucoup en fait à chaque fois à me demander, oui dis tu saurais me passer ta classe de telle arme, de telle arme, de telle arme, de telle arme. Et je vais vous donner la solution ici et maintenant, c'est très simple. Il y a principalement deux sites web, voire même trois sites web que vous pouvez suivre pour avoir toutes les infos. Il y a True Data, donc là c'est vraiment des gros nerds qui analysent toutes les données des armes par rapport au TTK, à la vitesse de visée, à la précision, au temps que les balles mettent pour sortir du canon. Enfin là vous avez vraiment les geeks de la méta de Warzone, et principalement ceux qui font des très bonnes vidéos à ce sujet se basent principalement sur ce site là. Et puis après vous avez d'autres sites qui vulgarisent heureusement ce travail là. Alors vous avez Warzone Loadout qui est géré par un français dont je connais pas le nom, c'est également Codemunity. Vous retrouverez toutes les classes là-bas et vous pouvez également retrouver dans la description mon lien. Vous allez directement sur mon profil et vous verrez toutes mes classes que je mets relativement à jour. J'en ai pas beaucoup, j'ai celles qui sont pour moi le plus efficaces et celles avec lesquelles je joue le plus. Il y a également un autre site qui est plus américain ici, c'est Warzone Meta. Et là, pareil, vous allez soit sur le site web, vous avez le lien pardon dans la description de la vidéo. Et ici, vous avez pour tous les modes. Vous avez pour Warzone Mobile, vous avez également pour le multi, vous avez pour Warzone. Et vous avez aussi bien en Battle Royale, en Résurgence, vous avez toutes les armes de longue portée, de courte portée, les fusils de précision. Si vous voulez du hipfire, les armes mobiles, les armes précises. Bref, franchement, arrêtez de me poser la question. Et comme dit la Bible, pour un peu rigoler, Jésus a appris un jour un homme à pêcher et il a mangé toute sa vie. C'est plus simple que de donner un poisson. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire là. Genre, je vous passe des bons liens, des bons sites dans la description. Foncez et checkez aussi par vous-même ce qui est méta. Et ça, c'est très simple. C'est quand les patch notes sortent, ces sites-là mettent à jour les différentes classes qui sont disponibles. Et en fonction de tous les modes de jeu, vous pouvez les checker. Pour le pillage, vous pourrez vous baser sur les armes du Battle Royale. Et pour blocus, basez-vous sur les armes qui sont plutôt résurgentes, puisque la proximité, ou du moins les types de duels ou de combats, sont un peu identiques. Pillage, Battle Royale, et également résurgence, blocus. Voilà, c'était quelque chose que je voulais partager. J'y ai pensé, je me suis dit, je vais enregistrer ça vite fait. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment des fois à retourner avec des armes que vous trouvez simplement au sol, puisque vous avez également toutes les couleurs. Vous avez le rouge, vous avez le vert, vous avez le bleu, vous avez le violet et vous avez le doré avec tous les équipements. Et parfois ces armes là sont au même niveau, tout aussi bonnes, voire si même des fois pas meilleures que des méta, puisque vous jouez l'arme du jeu. Et je me demande s'il n'y a peut-être pas un petit avantage là-dedans. Bref, voilà un peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est un peu votre arme favorite du moment, puisque en fusil d'assaut, c'est pas la folie, même si on a eu récemment le kit Jack Revenger sur la BP50 qui fait assez plaisir. J'avoue que ça la transforme en chouette SMG. Malheureusement, on transforme un fusil d'assaut en SMG, et ça c'est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire même les classes que vous avez qui sont bonnes à essayer, comme ça moi ça me permet d'avoir d'autres armes. J'ai pas forcément un feeling de fou avec la BP50 et la SVA, je suis plutôt SMG et LMG. Voilà, ça c'est un truc perso. La section commentaires est là. Je vous laisse avec la fin du gameplay. Encore un tout grand merci de suivre la chaîne, d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Je vous en remercie. Faites péter les commentaires et partagez également la vidéo à ton pote qui se demande comment pouvoir trouver les bonnes méta et qui pourra enfin trouver les armes avec lesquelles jouer et il ne te posera plus la question. Sur ce, portez-vous bien, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, ciao ciao.
en vrai, à Bruen, ça se défend bien. Et j'ai été whitelisté par Activision ou quoi? Ils sont les teammates. Ils sont là-bas. Ah, not bad, franchement. Not bad. Ok. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, crotte. Hé, hey, Rooks. La forme ou quoi? Bah écoute, j'étais chaud. Mais bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'ai fait toute la game sans mes armes, là, avec des putains de classes. J'ai aucune arme. J'ai pas de plaque, j'ai rien. Trop la merde. Faut absolument que je reste des équipiers. Ok, je vais juste... Ah bah voilà, c'est bon. Voilà. T'arrives au bout.